Acredito que esse é a primeira vez que faço contato com uma roça sacada. Maurício, muito obrigado por me atender. Desejo aí tudo de bom para você. Ok, estou por Santa Catarina. Ok, minha cidade é Caió. Bon, attention le Québec, hein. Attention le Québec pour 14 Oscar Delta Romeo 002, opérateur Rémi qui vous lance appel. Ok Gilles, voilà, puisque t'aimes bien avoir un petit peu de relief dans la modulation, voilà, je viens de t'enclencher un petit truc là. Ok Gilles, comment vas-tu? Les bottes sont 1351 toi, de la part de Rémi. Actuellement en mobile sur la commune de Saint-Émilion. Voilà, je suis dans le mobile sur Saint-Émilion avec ma petite boîte pour les expéditions. Bonjour Rémi, Saint-Émilion, Christian. Les bottes 73, Christian. Eh bien, je crois qu'on lui a coupé la parole, elle chie trois coups. Ah, il se réveille, hein. Là, vu l'heure, il se réveille doucement. Mais je l'ai entendu, là, derrière, juste un bref instant, là. Oui, les bottes 73, São Paulo au Brésil, de la part de 14 Oscar Delta Romeo 002, en push, en mobile arrêté. Oui, Christian, c'est vrai que hier après-midi, j'ai pas eu de propague. Avant-hier après-midi, pas eu de propague non plus de leur côté. Le jour d'avant, par contre, oui, ça passait. Du jour au lendemain, paf, c'est tombé d'un seul coup. Là, je l'ai entendu, là, Gilles, là, il y a quelques secondes. Alors je sais pas, pour info là je suis en train de faire une petite vidéo pour montrer un petit peu là, les QTH là où je me mets. Parce que ce que je compte faire c'est là pour le moment là c'est je suis là en plein sur Saint-Émilion et après je vais me déplacer sur Pomerol pour continuer la suite des QSO. Mais bon, pour ça, il faudrait que Dame Nature, ah, je bafouille, soit un petit peu plus gentille avec nous. Hachis trois coups. Oui, QSL Rémi à 100% pour le carbone, ma petite vision qui va bien. Je vais appeler la direction du Lyonnais, Québec, Gilles Gatineau, Christian Bordeaux avec Rémi. Allô, France, côté à São Paulo, Brésil. Oui, mais le Québec, là, non, je l'ai pas entendu, là, sur le retour. Par contre, São Paulo, Brésil, oui, je l'ai entendu, là, São Paulo, Brésil, pour Sud-Ouest, Francia, Saint-Émilion, à votre écoute. Oui, São Paulo, Brésil, QSL, difficulté QSL de mon côté, beaucoup surmodulation, l'espagnol, ou je sais pas quoi, ça cafouille. Oui, c'est là le Québec n'arrive pas à passer de mon côté, là. Je crois que j'ai repassé là en QRX, là, pour le moment, en attendant de voir comment ça passe. Parce que là, c'est vrai que moi, ça ne me dérange pas de parler avec São Paulo, Brésil, loin de là. Mais il y a la barrière de la langue qui est quand même là. Moi, les langues étrangères, c'est pas trop mon truc. Je préfère la langue fourrée, hachis trois coups. Donc, je vais repasser en stand-by là, pour voir un petit peu ce que ça va donner là, du côté Québec. Me diga a nome da sua cidade, ou é chamado por motivo, Antônio.
Mais non, là je vais arrêter la vidéo là pour le moment, là, puis je verrai bien là tout à l'heure. Sinon, de toute façon, ben, je recommencerai demain, et puis voilà quoi. Voilà, bon, de toute façon, là, je suis avec ma boîte pour les expéditions, là, dans le push, hein, c'est-à-dire le Superstar 3009, n'importe quoi, le Summer Camp TS 2000DX, avec ma petite boîte à vitamines, donc il a fallu que j'enclenche le ventilateur, là, pour que ça aille un petit peu mieux, et puis, le, bon, ben, l'antenne du push, parce que, bon, ben, tu sais que sur cet émission, les antennes de fixe, c'est pas trop leur truc, hein. Alors, j'ai pas trop envie de venir avec la remorque là sur le coin, monter l'antenne à 6 mètres de haut dans la remorque. Je pense que j'aurais bien vu, j'aurais vite fait de voir du monde arriver pour me demander de démonter tout ça et de dégager d'ici quoi. Alors tu sais ce qu'on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Alors c'est ni plus ni moins le RCI de 1950 éclairage orange. Voilà, c'est celui-là je ne connaissais pas, on me l'a donné là, l'été dernier. C'est exactement le RCI de 1950 face éclairage orange. Ah oui, Summer Camp, voilà, le Summer Camp TS 2000DX, voilà, bon, tu le verras sur internet, hein, il y a des photos. Hein. Ok, ok, bon, même des photos, Rémi, voilà, bon. Alors, tu peux tranquille comme ça, avec le mobile, hein, tu passes aussi bien, hein. Oui, quand même, c'est bien, parce qu'il y en a, ça leur prépare, hein. Et, oui, bon, chez toi, du coup, j'ai laissé la vidéo tourner, là, quand même, au cas où. Eh bien, oui, surtout que là, vu que j'ai la boîte à vitamines, là, la chaudière qui est allumée derrière, pour le coup, toi, je suis quand même avec le moteur en route, hein, car, bon, j'ai un peu envie quand même de changer d'endroit, là, là j'ai quand même envie de pouvoir repartir tout à l'heure, Hachi. Ah ben c'est un Zetagi B550P et là je suis sur la position 4. Oui 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 ça suit ça là, oui oui je connais le 507P. D'accord, et eh ben c'est pas compliqué, à chaque fois que je passe en émission j'entends un petit ralentissement, un léger ralentissement au niveau du moteur. Et mon câble, là, qui est pourtant du 4 carré, se fait un petit peu limite parce que j'ai l'éclairage qui fait un petit peu warning. Ouais, ouais, ça c'est ça. Oui, oui, oui. Ouais, je pense qu'il a deux transistors et puis tu as moins 3 ou 400 watts, Rémi, là. Alors, non, peut-être pas. Attends, voilà, j'approche la vidéo. Attends, j'ai fait un coup de sifflet. Non, 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 c'est plus modeste que ça, quand même, 150. Mais peut-être parce que, justement, l'alimentation, le câble ne suit pas trop, hein. C'est peut-être, c'est possible. Hein. Et puis, côté puissance, là, je suis à 8 watts, hein, là, au niveau du poste. Donc, je le réduis quand même pas mal. Hein. Ouais, 8 watts, c'est 150 watts, présenté là, ouais, ouais, ouais. Ça fait longtemps que tu l'as, ton mari, il fonctionne très, très bien, hein. Bah, là, pour aujourd'hui, on va dire, il y a toi qui peux me le dire. Oui, nickel, quoi, mais il n'y a rien à dire. Voilà, il y a longtemps que tu lances ce l'amplificateur, là, Rémi. Non, 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 ça fait peut-être 2 mois. Non, qu'est-ce que je raconte? Je l'ai depuis fin novembre, début décembre, dans ces eaux-là, quoi. En tout cas, si j'ai un truc que j'ai bien appris là-dessus, puisque juste avant ça, j'avais le B300P, c'est que en dessous de la boîte, il y a une étiquette avec marqué position 6, 4 watts maximum. Et c'est très vrai.
puisque sur le B300P, ben, les PA, ils n'ont pas du tout aimé, quoi, quand je suis passé sur la position 6. Alors c'est pour ça que là, du coup, ben, je n'irai pas de toute façon au-delà de 5. Le 6, j'ai envie d'y mettre un sens interdit dessus, quoi. Oui, affirmatif. Attends, puisqu'il n'y a pas le Québec, je fais quand même la vidéo, ouais, 18 minutes. Alors, je vais arrêter la vidéo pour le moment et je vais changer d'endroit. Donc, eh bien voilà, un petit coup en extérieur de la voiture, ok, voilà. Donc voilà, là je suis carrément à l'entrée du village de Pomerol, parce que là, ben, à l'intérieur de Pomerol, eh bien, c'est exécrable. C'est bourré de parasites, c'est côté, ça passe mal. Il y a des zones comme ça, des zones géographiques où ben, c'est pas ça du tout. Donc, eh bien, ouais, donc comme je t'expliquais à l'instant, Christian, la façon dont je fonctionne, c'est j'ai une perche qui passe actuellement à travers le volant. Voilà, j'espère qu'on la voit. Ok, voilà. Je l'attache avec un chiffon, comme ça, après le volant. Et du coup, ça me fait un pied fixe. Et donc, voilà, je repose maintenant mon truc sur le... sur la canne. Voilà, ça y est, ok, c'est bon, on est reparti pour la suite en espérant qu'on puisse entendre le Québec. Et bon, ben oui, c'est comme j'ai vu tout à l'heure là, sur Saint-Émilion, c'est vraiment pas gagné du tout hein, là, pour aujourd'hui hein. D'accord, ok. Eh bien, là, c'est du 59, 58. Donc là, ça, ouais, ça passe bien. Hein. Alors, quand tu arrives de... Est-ce que tu connais bien le coin ? Oui. Bon, d'accord. Quand tu arrives de Saint-Émilion, t'as Pomerol qui est sur ta gauche. Arrivé au bout, t'as une espèce de virage à gauche. Une rue qui remonte vers le centre de Pomerol sur la gauche et un peu plus loin le virage à droite. Bon, eh bien je suis juste au début de cette rue qui remonte droit sur le centre de Pomerol. Là, la petite ligne droite avec les petits buissons là qu'il y a tout du long. Hein. Ah, j'ai une montée QRM là de mon côté, là, j'ai 9 points de QRM là d'un seul coup là. Ok, mais c'est peut-être, y a peut-être d'autres stations là qui sont en train de mouliner dans le coin là qui moustachent un peu. J'en connais un, c'est le cas justement, je sais pas si c'est lui, hein. Ça ressemble pas trop, non, c'était plus des QRM électriques. Bon alors, nos petits cousins du Québec,
Attention le Québec, attention le Québec pour, sud-ouest, pour le sud-ouest France qui vous lance appel. Ouais, à part les pays de l'Est en FM, j'entends pas grand chose d'autre. Ouais Christian. Ouais, je passe en horizontal parce que vertical tu m'entends pas. Non, il n'y a pas le retour du tout du tout dans la vie. Ah oui, c'est complètement fermé là aujourd'hui. C'est hallucinant ça. Enfin bref, ouais. Voilà, les aléas de la propague. Ah, c'est dommage hein, que ça se ferme aussitôt, parce que ouais, l'année dernière c'était allé jusqu'au début du printemps. Oh oui, facile. Par contre, l'année d'avant, effectivement, rendu là, à la même période, ça s'était coupé aussi. Bon, ben, c'est bien dommage, hein, on s'était habitué à eux quand même. Hein. Bon, il y aura peut-être encore quelques ouvertures là, d'ici les prochains jours, faut espérer, quoi. Ben oui, c'est ça qui m'a surpris, puisque il y a ouais ben hier, oui, effectivement, je les ai pas entendus, avant-hier non plus. Le jour d'avant, j'étais pas trop sur cette fréquence-là. J'ai entendu par contre d'autres Québécois de l'Ontario, de ce coin-là, sur des fréquences plus basses. Je sais plus 27 430 je crois, ou dans ces eaux-là, dans ces environs-là il me semble, je sais plus. De toute façon c'est sur la précédente vidéo. Et puis c'est vrai que depuis là c'est complètement fermé. Par contre j'ai entendu un peu plus tôt dans la journée, ce matin 10h15, j'ai entendu la réunion qui passait. Après ça tournait vers l'Amérique du Sud, là, comme là tout à l'heure, là, comme San Paolo, Brésil, là, qu'on a entendu là tout à l'heure. Mais là, après, plus au nord, ça n'a pas trop l'air de passer, quoi. Faudra que je regarde un petit peu les signes en AM. Je me suis rendu que là, pour savoir un petit peu ce qu'il en est, je descends sur le 6 AM. Le 6 AM, c'est la vraie cour de récréation du côté des Américains. Mais c'est un foutoir sans nom sur ce canal. C'est leur cours de récréation, quoi. Donc, quand je les entends, je sais que pas longtemps après, ça va monter vers le Québec. Par contre, là, si c'est plus le cas, bon, ben, ouais, ça risque d'être fermé de ce côté-là, quoi. Si, il y a encore du monde. Si, bien sûr qu'il y a encore du monde en AM. Je suis partout. Mais ce qui se passe en AM, quand la propague est là, bon, ben, évidemment, ça fait un bouhaha sans nom, là, sur l'AM. Donc, évidemment, soit on n'entend plus les gens, soit ça les fait fuir en BLU, pour les autres. Mais par contre, le matin, de bonne heure, je vois, moi, je débauche à 6 heures le matin. Donc, bon, ben, je prends la route, hein, de ça, 6h10, aux environs de ça. J'envoie un petit bonjour à tout le monde quand je passe sur le pont d'Aquitaine. J'en profite en même temps pour faire un petit tour de galette. Et il y a du monde, hein, je te confirme. Hein. Je sais pas si tu connais ma chaîne YouTube. Si tu as déjà vu mes vidéos sur internet, bon, tu retrouveras facilement ma chaîne YouTube. J'ai plus de 200 vidéos là dessus, et tu t'apercevras que si hein, je te confirme, hein, il y a encore du monde en AM. Et là c'est quand, c'est
lundi matin, non, lundi. On est quoi? Non, on est, non, la semaine dernière. Lundi de la semaine d'avant. J'étais en formation là sur, sur Mérignac. Bon, j'étais arrivé un peu trop en avance. J'étais en fréquence et tout ça, je suis resté en AM, mais partout j'ai trouvé des QSO. Il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Pour la plupart, c'est des mobiles, mobiles 1000 pattes. Donc évidemment, les portées sont très courtes. Hein. Mais autrement, si, je te confirme, il y a bien du monde. Hein. Mais dès que la propague commence à monter, ça fout un bois bas pas possible, et puis là, c'est sûr qu'on les entend plus. Eh ben oui, voilà, oui. Depuis là-bas, c'est sûr que tu les entends pas. Depuis le QRA, les stations NAM sur Bordeaux, je les entends pas non plus, quoi. Alors attends, je suis en train de voir, là. Ah non, c'est bon. N'importe quoi, c'est moi qui déconne. Depuis le QRA, évidemment, les stations qui sont NAM là-bas, je les entends pas non plus. Hein. C'est comme ça, quoi. Mais dès que je suis sur Bordeaux, c'est bon, là, je les attrape, hein, y a aucun problème. Ben, les deux cons, oui, depuis ton courant, comme moi, négatif, mais sur Bordeaux, tu les attrapes, bien sûr, parce que, oui, là-bas, c'est plus gros, il y a une vingtaine de stations, c'est sûr, beaucoup plus de monde et tout. Oui, je sais, à toi, Rémi. Ouais, ben oui, voilà, affirmatif, oui. Et c'est vrai que je suis aussi là sur internet, sur les forums routiers, des trucs comme ça. Et justement, je discute pas mal avec eux, tout ça. Et c'est vrai que du côté 1000 pattes, par exemple, en AM, eh bien, les portées, suivant leur installation, varient entre 5 et 15 km. Mais disons que le truc qui se passe, c'est que quand on regarde les routiers espagnols, portugais, bon, beaucoup ont des Santiago 1200, des trucs comme ça, fixés au rétroviseur. Donc déjà, ils ont un bon dégagement. Du côté des routiers français, là par contre, c'est complètement différent. On trouve les antennes de fixer derrière les cabines. Et là, plan de masse vertical, coincé entre la cabine et la remorque. Donc forcément, ça limite énormément les portées, quoi. C'est pas l'idéal. Maintenant, je veux bien comprendre qu'ils puissent pas faire autrement, quoi. Ben oui, voilà, oui, affirmatif, oui. C'est ça qui est un petit peu dommage. Donc, du coup, eux ont l'impression que aussi qu'il n'y a pas grand monde, alors que quand on regarde mes vidéos que je fais en mobile le matin en débauchant, eh bien, depuis Bordeaux jusqu'à temps que j'arrive, eh bien, on entend du monde. À chaque fois, je fais sans arrêt des tours de galette, hein. Je fais sans arrêt des tours de galette et à chaque fois je monte le canal et tout ça, et on entend du monde. Hein. Alors au niveau du canal 19, il se passe un truc que les gens ont du mal à comprendre. Bon, je le dis en plaisantant, ça. C'est que tout le monde reste en écoute. Mais comme je leur dis à chaque fois, quand tout le monde reste en écoute, eh bien ça fait beaucoup moins de bavards. Mais malgré ça, les gens continuent à s'étonner d'entendre personne. C'est bon, ben c'est comme ça. Et pourtant, si ils sont, il y a du monde derrière, pourtant. Mais on écoute. Radio, on va dire comme ça. C'est un compagnon de temps.
Ah ben bien sûr. C'est pour ça que dans je sais plus quel article que j'ai fait, justement là sur le choix des postes, un truc comme ça. Bon, évidemment, je leur disais, chaque poste a son étudiation bien précise. Mais bon, je continue à dire quand même qu'il est préférable de prendre des multimodes, puisque ben, quand on aime, ça commence à devenir limite. Qu'on commence à perdre la station, ben, il suffit tout simplement de basculer en VLU. Et puis là, ça y est, c'est à nouveau du bonheur. Hein. Maintenant, il est vrai que si la BLU est nettement meilleure pour les contacts, il est vrai qu'il est quand même préférable de ne pas être trop nombreux en BLU, ou alors tout le monde a intérêt à être bien calé sur la même fréquence. Et ça, c'est pas toujours gagné avec les postes de CBI, mais on trouve également des décamétriques qui sont un peu décalés en fréquence. Hein. Et ça se voit pas pour autant sur l'affichage. Hein. Bah bien sûr, oui, bah au QRA, c'est un Yazu FT450 hein, que j'ai, là, le AT, là, puisqu'il a la boîte d'accord incorporée. Mais évidemment que ça marche bien. Mais bien sûr. Et, ah ben ça y est, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Ah si, je me suis paumé. Des fois la route est longue entre le cerveau et la parole. Je te repasse le micro, j'ai perdu ce que je voulais dire là sur le coup là. Ouais, je suis en matif. Bon là, je suis en train de regarder là, je vais arrêter la vidéo là pour le côté là, le côté Pomerol. Bon ben là, de toute façon, côté Propag, j'en aurai pas plus côté Propag Québec. Là, j'en aurai pas plus de toute façon pour aujourd'hui là. Alors coupure de la vidéo. Voilà, donc, Hachi trois coups. Non, j'ai décroché la caméra là, du pied. Voilà, je viens de faire un petit zapping. Ok, donc voilà, j'aurais pas parlé trop fort auprès là de... Non mais attends, tu crois que je me fais chier là? Voilà, ça y est. Ok, désolé pour le gros mot. Voilà, ça y est. Me revoilà à nouveau en place sur Saint-Émilion. Alors, si côté vent, des deux côtés, ça doit être certainement très bon. Côté radio, eh bien, il n'y a pas photo. Vaut mieux être sur Saint-Émilion pour faire quelque chose plutôt que Pomerol. Eh oui, comme quoi, hein, faut vraiment choisir son endroit pour que ça passe. C'est comme, tiens, au QRA. Alors, si je me mets devant la maison, alors là, je suis dans un trou, mais dans tous les sens du terme. Hein. Aussi bien au niveau géographique qu'au niveau des ondes, hein, puisque faudra vraiment un gros coup de propague pour que dans le push garé devant la maison, j'arrive à entendre quelque chose. Je m'écarte de 20 mètres. Je m'écarte de 20 mètres, paf, ça y est, ça passe très bien. Ah oui, bon alors attends, voyez un petit peu ça, en espérant qu'ils nous entendent, c'est pas sûr. Attends, je relâche, je reprends aussitôt. Voilà, je suis passé sur la position 5. Attention le Québec, attention Gilles, Jean-Paul, attention le Québec pour le sud-ouest France qui vous lance appel. Est-ce que vous arrivez à nous entendre? Bon, je suis redescendu sur la position 4, c'est pas la peine. Ça passe pas aujourd'hui. Hein.
Je vais même redescendre sur la position 3. Tiens, c'est pas la peine que je continue avec autant de whisky derrière. Ouais, reste sur la position 3. Non, y a rien, donc ça passe pas. Eh oui, c'est. Eh oui, ben oui, voilà, c'est aussi ça, la radio. C'est. Tu vois, c'est comme le chasseur, c'est comme le pêcheur. Il est jamais sûr de ramener quelque chose. Eh bien, là c'est pareil aussi. C'est pas grave, au contraire. Moi, toi, je préfère des aléas comme ça. Il y a rien de bien calculé. Rien de parfaitement de parfait, de lisse. Ça fait vraiment la coupure avec le monde moderne d'aujourd'hui où il doit y avoir absolument aucune improvisation. Tout doit être calculé d'avance, ceci, cela. Oh, ça finit par être chiant à force. C'est aussi pour ça que j'aime autant la radio. Pour ce côté totalement improvisé, quoi. Ouais, bon, de toute façon, on verra bien. Suivant le sens du vent, eh bien, soit je serai en fréquence QRA, soit je serai en balade comme là aujourd'hui, là, dans le push. On verra bien ce que ça donne. Alors, bon, il est quelle heure, là? Il est 4h moins le quart. 15h45. Ouais, eh ben tiens, j'ai envie d'aller prendre un petit cappuccino, hachis trois coups. Je vais te laisser, je vais rentrer au QRA. Donc je vais t'envoyer les bonnes 73-51 ainsi que aux éventuels écouteurs, parce qu'il doit certainement y en avoir là qui essaie de nous avoir, car j'ai mis l'info aussi bien sur le forum Les Ondes du Routier que sur notre groupe 14 division 14 ODR là qui est sur Facebook. Voilà, donc j'ai mis l'info là des deux côtés. J'ai pas spécialement donné d'heure, j'avais donné une fréquence et encore c'était sous réserve que j'avais quelqu'un. Donc là, je renouvelle à nouveau les 73-51 à tout le monde, à toi également, surtout à toi, hein, puisque il n'y a que toi du coup que j'ai eu dans le QVC aujourd'hui. Et puis, bonne fin d'après-midi et à la prochaine. Ouais, ok, ça marche, les bonnes amitiés, la première à toi, Rémi. Merci, grand contact. Bon cappuccino, mais moi je vais voir pareil, t'es un café, et puis voilà, on va continuer. Allez, bye bye, Rémi, peut-être à demain, un séjour par-ci par-là. À bientôt, ciao ciao. Ok, ben de toute façon, si c'est pas dans le mobile avec la station embarquée là, comme c'est le cas là en ce moment, ça sera certainement depuis la station fixe. Hein. Alors dernier petit report pour toi là depuis Saint-Émilion, eh bien c'est une radio 5+, puisque ça pousse vraiment là derrière, et un bon 7,9. Voilà, les bonnes 73, à la prochaine. Merci pour le contrôle, pour en parler. Oui, la station derrière, les bandes 73 à part de Rémi, 14 Oscar Delta Romeo 002, en mobile sur Saint-Émilion en compagnie de Christian. Pour ma part, je passe en QRT, bye. Salut Rémi, c'est Michel Turblay. C'était celle là, j'avais reconnu la voix. C'était pour le saluer. Salut Pierre-Michel, amitié pour les mains, comme d'un écouté Pierre-Michel. Tu viens de trouver les Québécois, mais ils sont pas là, il y a que les bordelais, Archie. Amitié à toi, amitié à madame au QRA, là, Michel, Pierre-Michel, comment tu vas? Eh, on va rester un peu. Apparemment, j'ai entendu que l'ami Rémi à l'écriture, je lui fais un petit retour. Moi, je prends photo de contact en France, comme on dit. Eh bien, du coup, ben, je vais rester un petit peu, alors, non, je suis pas du... Non, m'échapper au moment même que quelqu'un arrive, c'est pas trop mon truc, c'est pas très poli, quoi. C'est comme claquer la porte au nez de quelqu'un, quoi, ça le fait pas trop, quoi. Eh bien, oui, on attendait tous
des Québécois. De mon côté, là, je suis en même temps en train de faire une petite vidéo. J'espérais avoir le Québec, mais bon, les aléas de la propague étant là, eh ben tant pis. Faute d'avoir eu les Québécois, eh ben j'ai au moins le plaisir d'avoir eu vous autres en fréquence. Ok, ben moi c'est Alice Leblanc, il est mort, c'était fait un petit coucou une fois. Et donc Daniel, l'ami Daniel, t'entends là. Je vais aller chez toi, tu as une bonne mémoire. Mais Christian, que l'on te connaît pas si vu, ni pour l'un ni pour l'autre, mais on te connaît le radeau depuis X et X temps. Retourne-toi, Rémi. Oh, c'est que ça date alors. C'est que ça date parce que, eh ben tiens, à propos de ça, Daniel Senteur, là, il revient en fréquence. Il est revenu en fréquence il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Il n'y a pas que lui. Au niveau des anciennes stations, il y a Luc, Serpico, voilà, qui revient également en fréquence. Il y en a un autre aussi, Thierry, Tonton Job, voilà, qui revient également en fréquence. Voilà, au niveau des anciens, c'est tout ce que je sais là pour le moment. Là. Ah ok, bon ça oui, c'est un job. C'est pas une bonne visu, mais de, ouais, de radio aussi il y a des années. Et puis Pierre Picot là, j'ai l'occasion de parler, allez, ça va être un petit retour. Un ami Christian là-bas, assez à toi Christian, tiens. Ouais, ok, Pierre-Michel, moi de ton côté il fait beau, hein, t'as lâché les moutons, du moins t'es un peu long tes moutons, Pierre-Michel, toi. Ok, merci pour le retour. Bon là ce coup-ci, là, comme je disais tout à l'heure, j'ai envie d'aller boire un petit cappuccino. Je vois l'heure, j'ai mon XYL là, qui doit être en train d'arriver au QRA. Alors je vais aller la rejoindre. Donc merci pour ce petit contact là tous les deux. Donc je vous envoie les bonnes 113-51. Je vous laisse en QSO. Et merci, bye, à bientôt sur les ondes. Ah, petit coquin, quand tu dis sieste, moi là-dedans je comprends autre chose. Je suis trois coups. Ok, merci, je vous laisse. Bye, à bientôt sur les ondes. Ok, merci, bye. J'ai un petit question, je te retrouve, bien content. Je vais t'écouter parce que c'est très très rare si j'avais entendu l'autre jour avec les petits cousins. Hein. Moi, je viens, oui, tout de temps en temps, j'y viens, toi, il y en a un ou deux que je connais depuis des années, oui, pas mal d'années quand même. Oui, pas mal d'années, mais c'est vrai qu'on s'entendait plus souvent, c'est rare, hein. Oui, on a un petit cousin, oui, l'après-midi. Et que j'entends malheureusement pas toi, ils sont bons, c'est là de l'entendre que j'aurais.
Parce que voilà, mais autrement,